Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Comme vous le voyez, j'apprécie ce moment. Je suis dans un champ d'olivier, un champ d'arbres de paix. Et j'apprécie ce moment des derniers rayons du soleil de la journée. Et je prends le temps de prendre le temps avec vous. Je prends le temps de venir ici pour respirer en conscience dans le cœur avec vous, pour respirer en conscience dans le cœur avec nous-mêmes et nous apporter un soutien relationnel paisible et bienveillant, excessivement puissant. Comme vous le savez probablement, et si vous ne le savez pas, mais ce n'est point grave, je vais vous le dire, chaque matin, chaque soir, eh bien, je nous invite à pratiquer ces jeux de respiration en conscience dans le cœur. Vous trouverez tous les renseignements ici en dessous de la vidéo. Et donc, je fais cela pour nous encourager, parce que c'est plus facile. Alors, tous les matins, je le fais et régulièrement, je viens le soir. Et ici, je suis occupé à assister à un merveilleux coucher de soleil dans les Alpes. Et donc, je tiens à partager ce grand moment d'amour que nous allons vivre ensemble, eh bien, avec vous, tout simplement, ça, comme vous pouvez le constater, ces moments de respiration en conscience dans le cœur, eh bien, ça peut se faire n'importe Il n'est pas nécessaire d'être juste de s'endormir ou juste au moment de se réveiller. Ce sont des moments, évidemment, où c'est plus pratique, où on est encore dans une plus grande puissance. On augmente notre puissance parce qu'on est dans un moment, juste avant de s'endormir ou juste au moment où on se réveille, où notre cerveau est dans un état totalement différent. Et c'est pour ça que je vous propose de le faire vraiment le matin, au moment du réveil, et le soir, au moment de s'endormir. Mais là, ici, j'ai pris le temps de venir près de vous. J'ai pris le temps de venir respirer en conscience et offrir du soutien à tous ces enfants. Donc, dès qu'on aura terminé, je vous invite à commenter, à écrire vos ressentis et à partager, toute cette puissance d'action que nous avons dans le cœur. Et dire à tous ces enfants, merci d'être là, merci de partager ces moments, merci que nous puissions les vivre grâce à vous. Tous les jours au matin, tous les jours au soir. Je ne vais pas être plus long pour l'instant. Peut-être qu'après, je serai encore un petit peu plus bavard. Mais là, je nous invite, avant de commencer, à nous concentrer sur vraiment tous les moments bénis, tous les moments merveilles, tous les moments de gratitude que nous avons vécu au cours de cette journée. Donc, je nous invite, je vais commencer, je vous préviendrai quand on commencera. Donc, au moment où on va commencer, je vais prendre une inspiration profonde et puis je vais souffler par la bouche dans le plus grand silence, deux ou trois fois, pour que nous puissions ensemble repasser notre journée et nous dire oui, merci, merci. Merci, merci pour tous ces moments merveilleux que nous avons vécu dans la journée. Et puis ensuite, eh bien, je vais simplement continuer à inspirer et puis souffler par la bouche et prononcer le mot merci à la fin de chaque expiration. Ça vous permettra d'achever la phrase. Merci pour ce moment vécu avec un tel, merci pour ce moment vécu dans la nature, merci pour ce moment, pour tous les merci que vous avez. Eh bien, je vous invite à vous tenir bien droite et bien droit, et puis à commencer à inspirer.
Merci. Merci. Oui, merci. Merci. Merci infiniment. Si vous aviez fermé les yeux, eh bien, je vous invite à les ouvrir et puis à ouvrir le nid de la colombe de paix et d'amour et puis à partager tous vos merci, tous vos moments de joie avec le monde entier. Envoyer toute cette joie, toute cette gratitude dans le monde et faire grandir cet égrégore d'amour pour qu'il absorbe tous les égrégores de violence, de haine, de harcèlement, de méchanceté, de grossièreté, de douleur, de souffrance. Nous envoyons de l'amour et nous faisons grandir cet égrégore. Et on reçoit tout cet amour et on accueille dans le cœur tout cet amour qui nous revient et qui nous fait tant de bien. Eh bien, merci à vous pour ce grand moment. Merci à vous de prendre le temps d'écrire vos ressentis, d'écrire à quel point, enfin, d'écrire ce que vous avez ressenti avec tous ces moments de gratitude et en faire cadeau à tous ces enfants, à toutes les personnes qui sont là, qui ont besoin de ce soutien que nous pouvons leur apporter. Merci à vous et à demain matin!